Et voilà, à toi, Jacques-Benoît. Alors, bonsoir tout le monde. C'est fou comment un tout petit être vivant peut changer bien des choses sur une planète. Par exemple, le virus SARS-CoV-2, il a fait en sorte que la visioconférence, comme celle de ce soir, soit utilisée comme jamais auparavant pour toutes sortes de rencontres. Ce soir, d'ailleurs, peu importe combien nous sommes, à quelle distance nous sommes les uns des autres, nous sommes tous et toutes ici rassemblés pour ce webinaire. En fait, cette conscience-là, c'est ça qui devrait nous habiter tous et toutes à partir de maintenant dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes de consommation, dans nos liens sociaux et dans tous nos projets. Tout comme moi, vous êtes ici. Nous sommes tous ici et nous n'avons qu'une planète avec ses limites. Puis, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres à notre portée. D'autres planètes, oubliez ça. Si on dépasse les limites de la Terre, c'est nous qu'on met en danger. C'est notre survie. Aujourd'hui, on est le 15 juin 2021. Le G7 vient de se terminer et on a annoncé que les pays allaient relever leurs objectifs pour atteindre, respecter en fait, l'accord de Paris de 2015. Donc, les 7 grands pays qui font partie du G7 devraient réduire de 50% leurs émissions de GES d'ici 2030. On parle des gaz à effet de serre, bien sûr. 2030, c'est dans 3122 jours. Là, je dis ça de même, là, c'est parce que, voyez-vous, le Canada, là, c'est le seul pays du G7 dont les émissions de GES ont augmenté depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. Puis, pour réduire de moitié ces émissions, ben, il va falloir qu'ils les réduisent d'au moins 350 mégatonnes. 350 mégatonnes, c'est 350 millions de tonnes. Ça fait que si on divise ça par 3122 jours, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent une réduction de 112 000 tonnes par jour. Il y en a intérêt à pas avoir les doigts d'avenir, nous autres, puis moi. Il y a un an et demi à la conférence que je donnais, il y a un participant qui est venu me dire que personnellement, lui, il était sensibilisé aux questions climatiques, mais il ne voyait pas le lien entre réchauffement climatique puis les personnes de cité sociale, la défense de droits qu'il y avait à faire. Tout ça. Alors, aujourd'hui, c'est par là que je vais commencer. On va parler du lien entre le réchauffement climatique puis la défense des droits. Depuis des décennies, les gens et les milieux se sont donnés collectivement des moyens pour défendre leurs droits puis améliorer leurs conditions de vie. Les conditions de vie qui sont aussi leurs conditions de santé. C'est pourquoi on appelle ces conditions des déterminants de santé. Ce sont des facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux. Santé Canada, eux autres, ils ont identifié les principaux déterminants de la santé comme, un, le revenu et le statut social, l'emploi et les conditions de travail, l'éducation et la littératie, les expériences vécues pendant l'enfance, l'environnement physique, le soutien social et la capacité d'adaptation, les comportements sains, l'accès aux services de santé, la biologie et le patrimoine génétique, le genre, la culture, enfin, la race et le racisme. Santé Canada dit que la population canadienne est une des populations les plus en santé au monde. Elle ajoute aussi que certains Canadiens sont plus en santé que d'autres et ont aussi plus de possibilités de mener une vie saine que l'autre. Mais ça, on le savait, il n'y avait pas besoin de le dire. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, là, mais tous ces déterminants-là, ils ont été affectés ces dernières années ou seront affectés dans les prochaines par le réchauffement climatique et par les crises qui en découlent. Puis, pas à peu près. Ce réchauffement climatique, lui, il est dû à nos émissions de gaz à effet de serre, des GES.
comme le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane, puis d'autres gaz qu'on émet dans toutes les sphères de notre fonctionnement social, en utilisant comme énergie principalement du charbon, du pétrole, du gaz naturel et de chiffre, etc., ce qu'on appelle des énergies fossiles. Le réchauffement du climat, ça change l'environnement à plus d'un niveau. Par exemple, au niveau de la prolifération d'insectes ou d'espèces envahissantes qui transportent des maladies infectieuses, ce qu'on appelle des zoonoses, comme entre autres des virus, le sida, le SRAS, l'Ebola, le Zika, et un autre bien connu maintenant, la COVID-19. Cette COVID-là qui s'est transformée en pandémie mondiale. D'ailleurs, cette dernière crise sanitaire, elle nous donne un avant-goût d'autres crises sanitaires ou climatiques qui viennent, mais pour lesquelles on n'aura cependant pas de vaccin. Maintenant, on va faire un rapide survol ensemble des effets du réchauffement et des crises déjà en cours qui en découlent sur les déterminants. Alors, premier déterminant, le revenu et le statut social. On a vu ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie. Les revenus ont chuté, les fermetures dues au confinement ont forcé les gouvernements à organiser des suppléments de revenus comme la PCU. Les petites entreprises de services, coiffeurs, restos, bars, magasins, gyms, etc., ont souffert au point où plusieurs ont fermé définitivement leurs portes, laissant en rade leurs employés. Puis, malgré l'existence de programmes comme le PCU, il n'en demeure pas moins que beaucoup ont été oubliés. Les personnes de la cité sociale, entre autres. Et l'écart qui les séparait des autres s'est encore une fois accru. Il ne faut pas oublier non plus les nombreux producteurs agricoles et maraîchers qui ont manqué de main-d'œuvre l'été dernier pour leur récolte, ce qui leur a causé des pertes de revenus importantes. Puis ces baisses de récolte-là ont eu des effets à la hausse sur les prix à la consommation. Ces agriculteurs-là, ces producteurs-là, dans les dernières années, ils avaient aussi dû affronter des sécheresses, des tempêtes de vent, de pluie, de grêle dévastatrice, des printemps tardifs qui retardaient les semailles ou des hivers précoces qui empêchaient des récoltes plus tardives. Dans ces crises-là, les seuls qui se sont enrichis, toujours les mêmes, Amazon, Google, etc. Deuxième déterminant, l'emploi et les conditions de travail. Oublions pour le moment les conséquences de la pandémie, ne regardons que les emplois qui dépendent du climat. Tourisme, agroalimentaire, divertissement, hôtellerie, vacances, etc. Des emplois qui risquent d'écoper de plus en plus des extrêmes météo et des crises climatiques. Repensez à notre dernier Noël à près de 15 degrés Celsius. C'était peut-être idéal pour le ski bottine et le hockey ball, mais en plusieurs endroits, on a dû oublier des pentes de ski, des patinoires extérieures, des activités hivernales, et les emplois qui s'y rattachent. Je suis d'accord avec vous qu'un Noël à 15 degrés, ça n'a peut-être pas fait mal. Mais avouez avec moi que ce n'est pas normal. Puis ça augure mal pour l'été qui vient, même s'il n'est pas encore arrivé. Pensez aux emplois extérieurs, construction, voirie, éboueur, horticulture. Les canicules qui sont déjà commencées rendent ces emplois-là périlleux. Ils ralentissent le rythme de travail. Par exemple, lors de la construction du CHUM, les canicules ont obligé de ralentir les travaux pour permettre plus de pauses puis assurer une meilleure hydratation du personnel sur les chantiers. Comme conséquence, des coûts plus élevés, un retard de livraison des travaux puis des coûts de chaleur, évidemment. Troisième déterminant, l'éducation et la littératie. Pour l'éducation, je ne m'attarderai qu'à deux choses. Premièrement, les difficultés à poursuivre l'éducation pendant la pandémie. On a bien vu ça, à distance, en présence restreinte, virtuelle, présentielle, avec réorganisation, souvent réduction des programmes d'études. Le tout entraînant un manque d'encadrement, accentuant les difficultés d'apprentissage, le découragement, le décrochage, diminuant la qualité de la formation avec, à l'appui, possiblement une compétence diminuée. Puis
Deuxièmement, les canicules, autant cette année dès le mois de mai, hein, ou de même de l'année passée, les canicules de mai, de juin ou de la fin août, début septembre, ont rendu passablement inconfortables les classes des écoles qui ne sont généralement pas climatisées. Ça, ça ne facilite pas la concentration ni l'apprentissage, pas plus que l'enseignement. Puis si vous combinez cette année avec la pandémie, bien ça donne ce que ça a donné la semaine passée, c'est-à-dire que dans l'Outaouais, on a même fermé des écoles, hein, c'est une première. Quant à la littératie, l'OCDE l'a définie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Vous êtes comme moi, vous avez vu que les insécurités créées par la pandémie ont provoqué beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Des problèmes que toutes les crises climatiques qui viennent ne vont pas faire disparaître, au contraire. Quatrième, les expériences vécues pendant l'enfance. Plusieurs d'entre vous penseront sûrement à la DPJ, dont on a beaucoup parlé cette année, même une émission qui passe à la télé. Disons que ici, je ne peux que référer aux situations familiales qui se dégradent en contexte de crise. Des canicules interminables, nombreuses, dans des appartements réduits et étouffants, ou alors un confinement familial qui perdure, ça peut faire augmenter le stress chez tout le monde. Puis comme pour tout animal stressé, la patience, la tolérance vis-à-vis de ses congénères, ça s'efflète rapidement. La tension monte, la violence prend avec place, violence verbale, psychologique, physique. Les enfants en sont témoins, en sont victimes ou en sont acteurs. Et généralement, ça laisse des marques même longtemps après la fin de la crise. Ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques. Cinquième déterminant, l'environnement physique. On peut facilement penser au logement inadéquat pour les personnes qui y habitent. Mal isolé, trop chaud en été, trop froid en hiver, trop petit pour le nombre de logés. Mais on peut aussi parler des quartiers où tout est en béton, où il y a peu d'arbres et de parcs, peu d'infrastructures et d'espaces verts qui permettent de relaxer. Vous savez, le vert, là, la nature, c'est important. Ça a un effet apaisant chez l'être humain. Quand tout est en béton et en asphalte, ça emmagasine la chaleur toute la journée. On dit qu'il peut y avoir une différence de 5 degrés Celsius entre les surfaces. Puis durant la nuit, ben, ça relâche la chaleur, ce qui empêche la circulation d'air frais, ça empêche de dormir, de se reposer et de faire baisser le stress. Si on ajoute à ça des crues printanières comme en 2017 et en 2019, qui ont inondé des milliers de maisons dans plusieurs régions, les rendant inhabitables pendant longtemps, puis même obligeant dans certains cas à les démolir ou à les déplacer, cassant des liens de voisinage parfois précieux. Pensez à tout le stress que ça, ça l'a entraîné. À Sainte-Marthe, sur le lac, une enquête a montré que presque la moitié, 44% des personnes inondées, présentaient des symptômes modérés à grave de stress post-traumatique. On a aussi répertorié plus de détresse psychologique, 38%, des troubles anxieux, 20%, des troubles de l'humeur, 19,5% chez les personnes inondées. Pensons aux régions côtières où des gens sont forcés de déménager leur maison à cause de l'érosion grandissante des berges. Et qui a oublié des tornades il y a 3 ans à Gatineau, qui ont démoli des blocs appartements où vivaient des gens à faible revenu, des gens qui ont vu s'envoler leur vie en morceaux, puis qui ont tout perdu. Ça laisse des traces sur la santé des gens, puis même longtemps après la fin des événements. Sixième déterminant, le soutien social et la capacité d'adaptation.
Quand les crises arrivent, la nécessité du soutien social, de la solidarité sociale, ça s'accroît. Mais plus la crise est grande et généralisée, plus ce soutien est exigeant et il se complique, mettant à rude épreuve la capacité d'adaptation des individus et des communautés. On doit se restreindre. On doit revenir à la base, aux besoins essentiels. Mais comme on l'a vu depuis le début de la pandémie, quand même le besoin essentiel de liens sociaux et familiaux en chair et en os est interrompu, le soutien social virtuel, ça comble pas tout. Pas tout le temps. Puis pour un certain temps seulement. L'isolement, ça use notre capacité d'adaptation qui est inégale d'un individu à l'autre, avec les répercussions psychologiques qui s'ensuivent. Septième déterminant, les comportements sains. On s'entend que les comportements, ils sont liés à ce qui les conditionne. Hein? Une situation de crise, ça augmente le stress, l'anxiété, ça use les nerfs, ça peut causer isolement, mauvaise alimentation, affaiblissement général, insomnie, toxicomanie, alcoolisme, dépression. Tout ça, ça déteint sur les liens qu'on a avec les autres vivants autour de soi. Humains, animaux, végétaux, on néglige les relations habituelles jusqu'à les rendre invivables. Les comportements sains dans une situation de crise, c'est pas évident. On a besoin d'aide. Plus d'aide que d'habitude. Plus. Huitième déterminant, l'accès aux services de santé. On disait justement qu'on a besoin d'aide plus. Mais en période de crise, les besoins peuvent être tellement grands que les services de santé peuvent être sur-sollicités. On l'a vu depuis le début de la COVID, hein? On a réduit l'accès aux soins et services. Soins et services directs par rapport à la crise, mais aussi indirects, hein? Comme le délestage des chirurgies. Cette sur-sollicitation-là, ça va avoir des impacts longtemps après la fin de la crise. On a des listes d'attente qui sont déjà beaucoup plus longues. Déjà que les réformes qu'on a essuyées ces dernières 30 années, là, ça avait réduit l'accès. Hein? Pensons seulement à la fameuse réforme de Couillard et Barrette, qui ont fragilisé grandement notre réseau public. Leurs réformes l'ont rendu inefficace en période de crise. On le voit bien avec la pandémie. La méthode de gestion privée qu'ils ont imposée est venue détériorer les conditions de travail des personnels. On les gère comme des cannes de mine. On les presse comme des citrons. On les oblige à aller au-delà de leur capacité, ce qui les fait tomber au combat, sinon démissionner, avec comme effet une augmentation de la charge de travail pour le personnel restant dans les services, puis une réduction de services pour la population. Puis le tout dans une spirale destructrice. Puis tout ça, jusqu'à la prochaine fois. Hein? Neuvième déterminant, la biologie et le patrimoine génétique. Encore une fois, la pandémie nous a donné un bon exemple. Les personnes qui avaient déjà une santé plus fragile, maladie chronique par exemple, risquaient et risquent toujours d'en souffrir plus, jusqu'à en décéder en quelques semaines, en quelques jours, voire même en quelques heures. D'autres en ont souffert, en ont guéri, mais ont gardé des séquelles, hein, de la COVID longue. Des séquelles importantes qui hypothèquent leur santé pendant un temps indéterminé. Peut-être pour toujours, on ne sait pas. La connaissance mondiale sur ce pathogène-là, elle n'a pas encore 2 ans. Par contre, on connaît les effets d'épisodes de chaleur extrême. On sait que les personnes qui sont particulièrement vulnérables sont les bébés et les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de troubles cognitifs ou de santé mentale, les personnes atteintes d'une maladie chronique et les personnes qui consomment certaines classes de médicaments. De même, certains facteurs de risque augmentent la vulnérabilité de certaines personnes, comme celles qui vivent seules, sans réseau de soutien, ou qui vivent dans un état de pauvreté, ou qui travaillent à l'extérieur ou dans un environnement chaud, et les personnes qui pratiquent un sport ou une activité intense à l'extérieur.
Chacun des facteurs souligne une vulnérabilité, mais l'addition ou la combinaison de plusieurs, ça en augmente le degré de dangerosité. Puis tout ça, ça prouve encore une fois que toutes et tous ne sont pas égaux devant la crise climatique. Dixième déterminant, le genre. Qu'il suffise ici de dire que les femmes sont souvent les premières victimes des crises, d'autant plus que c'est elles qui portent trop souvent la responsabilité des enfants et de la famille, même à leur détriment. Une étude de l'IRIS qui est parue pour le 8 mars cette année démontrait l'impact différent de la pandémie selon le sexe des personnes. Son titre ne laissait pas place au doute. Ça s'intitulait « L'impact des crises sur les femmes inégales dans la tourmente ». Ajoutons encore que ce sont très majoritairement des femmes qui composent les personnels de santé et services sociaux dont on disait tantôt qu'on les pressait comme des citadins. Onzième déterminant de la culture. Juste à voir ce qui en est resté pendant la pandémie, hein? On se rend compte qu'on en a besoin de la culture, des arts, de nos façons de vivre ensemble, de rire, de s'amuser, de pleurer, de partager, de discuter et d'échanger aussi. Tout ça, là, ça s'est réduit comme peau de chagrin. Puis ça a été remplacé par un isolement parfois toxique, qui a vu l'augmentation des mouvances complotistes, QAnon, le négationnisme, l'anti-science, la déculture générale, mais aussi la montée du culte de la personnalité. Trump, Bolsonaro, Xi Jinping, Poutine, des groupes d'extrême droite, tant aux États-Unis que dans d'autres pays, y compris ici au Québec, avec nos petits leaders éclairés comme Cossette Trudel, Pilon, etc. Puis, avec les effets de tout ça, sur le 12e et dernier déterminant, la race et le racisme. La peur engendre la peur. L'anxiété nourrit cette peur. Et comme animal, on cherche à se rassurer, à reprendre le contrôle, ou du moins un certain contrôle. La façon la plus simple, trouver un coupable. Le virus chinois. Ah, l'Indienne. Tu sais, ça ne fait rien de boire puis se saouler, là. Le noir, l'arabe, le juif, l'autre qui n'est pas comme nous. Saviez-vous qu'une étude récente de la Banque centrale de New York relie la grippe espagnole à la montée du nazisme? L'épidémie s'était accompagnée d'une montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Beaucoup d'habitants considéraient que le virus venait de l'étranger. Et du coup, le parti qui était fondé sur la dénonciation de l'étranger, c'était le parti nazi. Les pandémies font surgir l'antisémitisme, la peur de l'étranger, et ça ne dure pas, ça ne date pas d'hier, pardon. Les grandes pestes médiévales, c'était la même chose, on les attribuait aux Juifs. En réalité, les virus, ils font juste emprunter des grandes routes du commerce, les moyens de transport. Ben, d'ailleurs, pensez qu'on a fermé nos frontières pour se protéger. Maintenant, pensez à tous ces immigrants qui tentent de fuir la misère de leur pays à travers la Méditerranée vers l'Europe, ou même qui traversent ça à pied tout le tour de la Méditerranée. Hein? On dit qu'à elle seule, l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés depuis 2015. Pensez aussi à ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui partent à la marche d'Amérique centrale pour monter vers le nord parce qu'ils n'ont plus rien. Pour beaucoup, là, les ouragans successifs, plus nombreux et plus violents, ont détruit leurs maisons, leurs moyens de subsistance, leur culture. Ils n'ont plus rien pour vivre. Ni nourriture, ni toit, ni loi. Leurs gouvernements n'ont pas les moyens de les soutenir. Ils se retrouvent à la merci des bandits et des narcotrafiquants qui les harcèlent pour les enrôler dans leur trafic et leur guerre. Souvenez-vous juste maintenant des immigrants qui passaient par le chemin Roxham au Québec. Souvenez-vous aussi et surtout de ce qu'on a vu apparaître en phase 2. La meute, Atalante, les soldats d'Odin,
pour ne nommer que ceux-là. Tous ces impacts du réchauffement, ils s'additionnent les uns aux autres pour en aggraver des effets, pour amplifier des inégalités, pour alourdir considérablement le travail de celles et ceux qui les combattent. L'augmentation et l'aggravation des inégalités qu'on vient de voir, ça se passe alors que le réchauffement, lui, se poursuit implacablement et que nos gouvernements n'y font rien. Or, il nous parle de l'accord de Paris de 2015, de carboneutralité pour 2050, qu'ils vont agir pour maintenir la hausse de température planétaire nettement en dessous de 2 degrés. Ça ne dépassera pas 1,5 degré. Comme si 1 degré et demi ou 2 degrés de plus, ce n'était pas vraiment très grave. C'est très grave. Voici ce qu'en disait le président de la Banque mondiale. Les scientifiques nous disent qu'avec 2 degrés de plus, un scénario qui risque de se concrétiser d'ici 20-30 ans, le monde connaîtra des pénuries alimentaires généralisées, des vagues de chaleur sans précédent et des cyclones plus intenses. Il ajoutait, beaucoup d'entre nous connaîtront peut-être les conséquences plus redoutables d'un réchauffement de 2 degrés d'ici 20 à 30 ans, sachant que si nous ne faisons rien, c'est de 4 degrés que la température augmentera d'ici la fin du siècle. Et il a déclaré ça en 2013. Fait que faites le calcul, là, plus 2 degrés dans 20 à 30 ans, non, c'est pas en 2100. À partir de 2013, ça nous conduit entre 2033 puis 2043. Or, certains diront, ah ben, ils pouvaient se tromper, hein? Voyons, on a des modèles scientifiques, des appareils, tout ça. C'était bien moins précis, il y a 7-8 ans. OK? Ben, en 2019, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a expliqué qu'une augmentation de la température planétaire de 1,5 degré Celsius, ça aura des impacts dévastateurs. Puis que chaque dixième de degré, au-delà de 1,5 degré, ça aura des effets pires. Ça va menacer des vies, des moyens de subsistance et des économies. Bon, si je résume, là, hein, une augmentation d'un degré et demi, c'est pas sans danger. Puis une hausse de 2 degrés, c'est très dangereux, puis ça pourrait nous mener droit à la catastrophe. Bon, une précision s'impose ici. Une crise, là, c'est un événement brusque et exceptionnel, d'une durée variable, mais qui a une fin, puis dont on peut se remettre quand elle est terminée. Une catastrophe, c'est autre chose. C'est une coupure définitive du déroulement normal des choses, puis dont les conséquences seront irréparables et irréversibles. Il y a quelques mois, un nouveau rapport des sciences du climat est venu nous indiquer que ça allait beaucoup plus vite que ce que prévoyait le GIEC. Et que nous nous dirigeons plus tôt, non pas pour 2100 vers une augmentation de, mais plutôt une augmentation de plus 3 degrés et même jusqu'à plus 5 degrés avant 2100. Pour comprendre encore mieux en quoi il s'agit d'une catastrophe, on va remonter ensemble un petit peu le temps. Hein? On va le remonter, mettons, jusqu'à l'apogée de la dernière période glaciaire. On est en Amérique du Nord, ça se passe il y a à peu près 20 000 ans. Sur cette carte-là, vous voyez des courbes de niveau avec des chiffres. Ça indique l'épaisseur de la couche de glace qui recouvrait le Canada jusqu'au milieu des États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mais mettons, on parle d'épaisseur de 2000, 3000 et même 4000 mètres. 2, 3 et 4 kilomètres d'épaisseur de glace. Pas mal d'épaisseur. C'était la même chose en Europe. À la même époque, on voit à gauche, hein, puis à droite aujourd'hui. Alors donc, à gauche, on voit la couche de glace au nord qui faisait 3 kilomètres d'épaisseur. Avec toute cette glace sur les continents, là, l'océan était plus bas de 120 mètres. Pas rien, là. Ce qui différencie la carte de gauche de la carte de droite, hein,
outre 20 000 ans qui sépare ça, c'est une augmentation d'environ en moyenne 5 degrés Celsius. C'est la même augmentation de température vers laquelle on se dirige actuellement, mais cette fois, ça ne va pas se faire en 20 000 ans. Ça va se faire en 100 ans. En si peu de temps, la capacité d'adaptation de tout le vivant sur Terre est grandement réduite. Le rapport Réalité climatique 2020 dont je parlais tantôt, il explique que à plus 3 degrés, la production de nourriture va être insuffisante pour nourrir la population. Il parle de diminution de 1/5 du rendement des cultures, déclin des nutriments contenus dans la nourriture, déclin catastrophique de la population d'insectes, désertification, dysfonctionnement des phénomènes de mousson et manque chronique d'eau. Ce sera catastrophique pour les moyens de subsistance des 3 milliards de personnes les plus pauvres du monde. À plus 4 degrés Celsius, c'est incompatible avec une communauté mondiale organisée. Ça va au-delà de l'adaptation. C'est dévastateur pour la majorité des écosystèmes. Ce sera invivable même pour une seule moitié de la population du globe. Puis imaginez maintenant à plus 5 degrés. Comprenons-nous bien, là. Plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, c'est pour toute la boule, toute la planète. Cette planète-là, elle est composée à 70 % d'eau. Fait que sur les terres émergées, là, la température, elle sera obligatoirement plus pour être capable de pouvoir être contrebalancée par la température de l'eau qui prend plus de temps, qui a beaucoup plus de quantité. Dans certains cas, là, on peut dire qu'il y a des régions autour de l'équateur, entre autres, ça pourrait être 2 fois plus, 3 fois plus. Si on parle d'une augmentation de 3 degrés, 2 fois plus, c'est 6 degrés. 3 fois plus, c'est 9 degrés. Si on parle d'une augmentation de 4, de 5 degrés, ça veut dire que ça pourrait aller jusqu'à 15 degrés de plus. Ce qu'on voit en plein milieu de la carte, les zones ombragées, là, ben ça, là, c'est 3 milliards de personnes qui vont être déplacées en 2070, si la tendance se poursuit. On s'entend qu'ils vont être déplacés parce que, pas juste parce qu'il fait chaud, là. Peut-être parce que le niveau des océans va avoir monté, puis leurs habitants, qui étaient sur le bord de l'eau, vont être submergés. Là, hein? Puis là, j'ai bien dit, en 2070, il va y avoir 3 milliards de déplacés. Ça ne veut pas dire que c'est en 2070 qu'ils vont commencer à faire mêler. Ça veut dire qu'en 2070, ils vont l'avoir fait. Ils vont avoir migré vers le nord ou vers le sud, là où ils vont pouvoir survivre. Je vous laisse deviner, dans ce cadre-là, c'est quoi le problème social le plus important que ça va causer? Déjà, là, à l'été 2019, le gouvernement indonésien a décidé de déménager sa capitale, Jakarta, une mégalopole de 10,5 millions d'habitants. Il a décidé de déménager parce qu'elle est engorgée et qu'elle est menacée par la montée des eaux. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein, mettons, pour que l'eau puisse monter, là, comme dans la petite image-là. Hein? Ça nous donne... Réalité climatique 2020 dit que le niveau de l'océan va monter de plusieurs mètres avant 2100. Puis il va continuer de monter pour atteindre environ 25 mètres dans plusieurs siècles. C'est pourquoi on ne peut plus vraiment hésiter à parler de catastrophe climatique. Hein? Face à l'accélération de la situation, non seulement il nous faut agir de toute urgence, mais nous devons en même temps agir dans tous les secteurs névralgiques et déterminants pour atteindre le zéro émission en 2030, pas en 2050, là, afin de nous prémunir des cataclysmes qui vont être causés par le réchauffement planétaire. Vous vous rappelez au début de l'exposé, je vous parlais des 112 000 tonnes par jour que le Canada devait réduire. Ça, c'était pour couper de moitié ces émissions. Là, on ne parle pas de couper de moitié, on parle de réduire à zéro. Fait que multiplier ça par deux. C'est 224 000 tonnes par jour qu'il faut réduire. Il ne faut vraiment pas avoir des lois d'animer.
La menace, elle n'est plus seulement pour les générations futures. La catastrophe en menace maintenant toutes les générations. Il y a 3 ans, à Gémob, on rédigeait la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique, mieux connue sous l'appellation la DUC. Cette déclaration-là énonce qu'on est en état de crise climatique et que cette crise-là est un état d'urgence climatique. Elle affirme qu'il s'agit maintenant d'un enjeu qui menace les générations futures, principalement au niveau économique, de la santé humaine, alimentaire, environnementale, de même qu'au niveau de la sécurité nationale et internationale, avec nombre d'exemples d'appui, dont l'augmentation des risques de pandémie. On écrit ça il y a 3 ans, avant que la pandémie arrive. Au Québec, l'urgence climatique, telle qu'on l'a décrit dans la DUC, a été reconnue par 526 municipalités, par les partis provinciaux Québec solidaire, Parti québécois, Parti vert du Québec et NPD Québec qui l'ont signé, et les partis fédéraux Bloc québécois, NPD et le Parti vert. Ce qui a contraint les gouvernements du Canada et du Québec à reconnaître à leur tour l'état d'urgence climatique. Cet état d'urgence climatique-là nécessite d'avoir urgemment, dans tous les secteurs névralgiques et déterminants, pour nous donner les meilleures chances de nous en sortir, ça prend un plan d'urgence global. C'est pourquoi on a formulé le plan d'urgence des chantiers de la DUC. Ce plan-là identifie 11 domaines d'intervention, 11 chantiers qui doivent être activés simultanément et au premier chef par nos gouvernements supérieurs. On va y voir ensemble rapidement. Le chantier 1, politique et loi imposant le zéro émission. Ce qui doit être fait, il faut établir une nouvelle économie, véritablement économe, fondée sur les limites biophysiques de la planète. Il faut mettre en place une sortie urgente des énergies fossiles via des politiques pérennes et des lois contraignantes. Chantier numéro 2, zéro soutien aux énergies fossiles. Ce qui doit être fait, il faut arrêter immédiatement toute aide gouvernementale, prêts, subventions, reports de taxes ou autres avantages fiscaux qui est destiné aux institutions et entreprises qui extraient, transportent, stockent ou utilisent des énergies fossiles, charbon, gaz naturel, pétrole et leurs dérivés. Il faut transférer à la place ces fonds vers la réduction de la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et des énergies pleinement renouvelables. Chantier numéro 3, consommation respectant les capacités biophysiques de la planète. Ce qui doit être fait, il faut accorder notre consommation, produits et services, aux cibles de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi agir en faveur d'une consommation qui requiert peu de ressources et qui génère peu de déchets. Chantier numéro 4, bâtiment sans émission et sortie du chauffage fossile. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplacer dans les bâtiments les systèmes à combustion fossile, les chaudières, fournaises, chauffe-eau et autres, par des systèmes qui utilisent l'hydroélectricité ou une autre source d'énergie renouvelable. Il faut adopter des normes pour rendre les bâtiments non émissifs ou pouvant même stocker du carbone, puis autonomes sur le plan énergétique. Il faut construire durablement en utilisant du bois. Chantier numéro 5, réaménagement du territoire pour un environnement sans émissions anthropiques. Ce qui doit être fait, il faut protéger les milieux stockant le carbone, comme les marais, les boisés, les lacs, etc. Il faut revoir les plans d'aménagement pour améliorer le stockage du carbone et permettre la diminution des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Chantier numéro 6, gaspillage, déchets et zéro émission carbone. Je vous donne en mille ce qui doit être fait, c'est la mise en marche d'un principe universel de réduction à la source. Chantier 7, mobilité zéro émission de GES. Ce qui doit être fait, il faut réduire urgemment les gaz à effet de serre du secteur des transports qui constituent en passant plus de 40% de nos émissions de GES. Il faut accentuer la conversion électrique, puis à l'avion, il faut favoriser le transport électrifié sur rail et sur l'eau. Chantier numéro 8, des industries à faible empreinte écologique. Ce qu'il faut faire, c'est procéder
à la décarbonation du secteur industriel en éliminant l'utilisation de combustibles fossiles, en particulier ceux qui sont issus de la facturation ou en transformant les procédés industriels à forte intensité carbone. Chantier numéro 9, sol en santé et agriculture pérenne. Ce qui doit être fait, il faut protéger les terres arables. Il faut amender celles qui sont dégradées puis en accroître la diversité biologique par de nouvelles pratiques de culture et d'élevage. Chantier numéro 10, chantier de résilience, sécurité alimentaire et autosuffisance en période de crise. Ce qui doit être fait, parvenir à la sécurité alimentaire bien avant 2030. Et enfin, le dernier chantier de résilience, le 11, un système de soins de santé et de services sociaux résilients au choc climatique. Qui doit être fait, chaque mot est important. Un réseau universel, public, robuste et décarboné, décentralisé, géré démocratiquement, accessible à tous, doté d'une première ligne interdisciplinaire proactive et préventif. Chacun des chantiers qu'on vient de passer, ça se termine par une liste minimale de mesures à mettre en place par nos gouvernements, 98, par nos municipalités, 53, puis par les citoyens, 59, un total de 210 mesures pour les trois paliers pour tenter de réduire les impacts des crises à venir. On doit s'approprier ce plan-là et le canaliser vers nos gouvernements supérieurs afin de les astreindre à déclencher maintenant toutes les mesures dictées par l'urgence climatique. Soyons clairs, hein? Où nous nous contraignons maintenant à effectuer ces difficiles mais nécessaires transformations sociétales, où nous attendons que les crises s'en occupent pour nous. Merci. Merci, Jacques Benoît. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va prendre les questions par la suite. Et je fais sûr.